Donc, maintenant que les capacités seront disponibles et qu'elles seront disponibles dans les États, ce dont nous avons besoin, ce sont des stratégies d'adaptation et des stratégies d'atténuation, comme le disait M. Tsassa. Donc, sur le plan industriel, le protocole de Kyoto nous permet de faire l'acquisition de nouvelles technologies qui vont être financées par ce qu'on appelle la finance carbone. Moins je pollue, je peux vendre cette non-pollution à des pays étrangers qui me donnent de l'argent. Mais ce qui est très important pour nous en Côte d'Ivoire, depuis le mois de septembre, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le mécanisme du RED. Les forêts vont absorber ces fameux gaz polluants, elles vont le transformer en bois dans les troncs. Et plus nos forêts vont augmenter, plus nous aurons de revenus carbone nécessaires. Et on avait donné un petit exemple ensemble en disant si jamais la tonne de carbone vaut 6 500 francs CFA, que nous avons une forêt qui arrive à développer pratiquement 1 000 tonnes de capture de carbone, on se dirige vers 65 millions de francs CFA de revenus pour une personne qui fait quoi? Qui préserve sa forêt. Donc c'est très important. La seule difficulté que nous avons en Côte d'Ivoire quand on va parler de ces stratégies d'adaptation et d'atténuation, c'est que nous ne sommes pas un pays moins avancé. Les PMA, comme nos parents du Mali, ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, eux sont financés par les Nations Unies pour développer ces cadres stratégiques. Nous, nous ne sommes pas pauvres, nous dit-on, donc nous devons le faire nous-mêmes, ce qui est d'autant plus difficile pour pouvoir avancer. Et enfin, une fois que tout le monde est bien préparé, quand on va partir à Durban, on sait qu'on va rentrer dans une négociation qui est organisée grâce à la voie unique du continent africain, mais ça ne veut pas dire que nous soyons inactifs. Ça veut dire que les pays africains doivent se présenter avec des projets de lutte contre le changement climatique, des projets concrets, robustes et surtout bancables. Car vous savez, on a beau demander de l'argent pour pouvoir s'adapter, mais si les projets que nous développons ne sont pas solides sur le plan économique, l'argent ira à d'autres pays africains car nous sommes dans une compétition pour survivre face au changement climatique. Ça, c'était un petit peu ce que l'on pouvait faire comme recommandation vers les pays africains quand ils partent dans ces grandes négociations. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire aux autres pays? Quelle est la voie, quelle est la position du continent africain dans ces négociations? La première, c'est de dire la hausse des températures ne doit en aucun cas dépasser 1,5 degré Celsius. Au-delà, ça sera dramatique pour de nombreux pays africains. Premier point. Mais si vous voulez limiter cette hausse... Est-ce que ça peut un peu alarmiste? Malheureusement, ça ne l'est pas parce que le continent africain a pris une position très simple. Les positions des négociations sont figées sur les résultats scientifiques. Or, la science aujourd'hui vous dit que vous devez réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et si vous dépassez 1,5 degré, vous avez des îles comme les îles Maldives qui seront rayées tout simplement de la carte. Et là, vous avez la mise en danger de personnes qui est en train de se mettre en place. Et peut-être qu'un jour, on ira vers cette responsabilité. Donc, pour ne pas augmenter les températures, il faut impérativement changer les technologies, et c'est ça qui va nous coûter beaucoup d'argent. Et on demande de la part des pays développés qu'ils s'engagent à réduire ces fameuses pollutions. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre en place les stratégies d'adaptation et d'atténuation, excusez-moi, au changement climatique. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que tout ça, il faut de l'argent pour le faire. À Copenhague, ils avaient dit « on vous donnera à peu près 30 milliards entre 2010 et 2013 pour préparer cette fameuse adaptation et atténuation ». On a réussi à aller jusqu'à 100 milliards de dollars par an qui seront investis. L'an dernier à Cancun, des mécanismes ont été mis en place pour qu'on puisse le respecter. Mais attention, cette somme d'argent ne doit pas être confondue avec l'aide publique qui est déjà donnée à l'Afrique. Ce sont des sommes d'argent en plus pour un défi en plus que nous devons affronter. Et surtout, ça doit être beaucoup plus rapide que ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc, pour mettre en place tous ces outils, tous ces résultats, il faut que des hommes et des pays se lèvent. Comme vous le disiez, à l'heure actuelle, nous avons un point de blocage. Les États-Unis ne sont pas signataires du protocole de Kyoto, mais nous espérons toujours qu'avec Barack Obama, qui a beaucoup de contraintes... Et comme on dit dans le jargon en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Mieux que la personne ne peut m'aider à la place de la chef. Les États-Unis ne pas, et comme pour parler comme d'autres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais alors ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que la Californie, qui est un des États les plus riches des États-Unis, qui est quand même la 8e puissance mondiale si on devait la sortir de ce pays des États-Unis, la Californie vient de voter son propre marché carbone. Donc quelque chose est en train de se passer. Oui. Mais c'est la voix des États fédérés des Nations Unies, des États-Unis, que nous avons besoin à Kyoto. Absolument. Mais aussi, ce qu'il faut, c'est que, vous savez, les pays émergents, Chine, Inde, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, à force de bien se développer, ben eux aussi commencent un peu à être des pays pollueurs. Or, pour l'instant, ils ne sont pas contraints à ces mécanismes de négociation. Ce qui fait que des pays vont vous dire la chose suivante. Moi, je ne rentre pas dans ces négociations si les États-Unis, la Chine, l'Inde ne signent pas le protocole de Kyoto. Et à l'heure actuelle, on a
un grand dilemme. Le grand dilemme, c'est que quand on parle de finance carbone pour se développer, vous avez 150 milliards de dollars dépensés, comme vous le voyez ici, en 2010 pour l'atténuation des changements climatiques. Mais attention, 97% sont financés par l'Union européenne, puisque c'est le seul pays développé à l'heure actuelle à être vraiment engagé dans ce processus. Et l'Union européenne dit les choses suivantes. Nous, on est d'accord pour étendre Kyoto, mais attention, il y a des conditions très précises pour qu'on le fasse. Même si le protocole de Kyoto venait à ne pas être renouvelé à Durban, puisque c'est nous qui représentons l'essentiel de la finance carbone, nous continuerons à financer, mais attention, que les pays les moins avancés, nous ne financerons plus la Chine, nous ne financerons plus l'Inde, donc l'Afrique doit dire, nous avons toujours besoin de votre aide. Et la vérité, c'est quoi? C'est que le 18 octobre, vous avez la grande réunion des négociateurs européens qui dit, nous, on n'attend pas un Big Bang de la part de Durban, on n'attend pas de solution mirifique. Donc nous allons continuer à avancer dans la voie climatique pour aider le continent africain, mais nous ne le ferons plus de la même manière avec d'autres États. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous arrivons à Kyoto avec des positions très tranchées. L'une qui est finalement représentée par le Japon, qui dit ben, l'idéalisme japonais, pas les États-Unis, pas les BRICS, Chine, Inde, Russie, etc. Nous, on ne signe pas. Et la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, l'Union européenne a réussi à initier un nouveau groupe de négociations avec les pays africains, les pays les moins avancés, qui s'appelle le groupe de Carthagène. Et on espère vraiment que c'est la rencontre de ces deux positions qui vont nous amener à avoir une position, parce que nous sommes à 28 jours de Durban. En tout cas, franchement, c'est un exposé assez édifiant, mais bon, qui met à nu quand même la faiblesse, hein, franchement. C'est-à-dire la faiblesse de, quand je pense, la Californie, c'est le huitième, c'est-à-dire en termes de, c'est huitième, la huitième puissance mondiale, la toute-puissance des États-Unis, multiple, multiforme, hein, qui peut décider, qui peut bloquer. Mais finalement, pourquoi on y va alors? Eh bien, si vous voulez, la difficulté, c'est la suivante. Si nous n'avions pas ce cadre unique de négociation grâce aux Nations Unies… Mais il y a longtemps qu'on l'a, depuis 92. Depuis 92. Depuis 92. Il a fallu aller jusqu'en 2005 pour avoir ne serait-ce qu'un petit semblant d'accord. Monsieur Sassa, c'est vrai que vous êtes optimiste, je sais, parce que vous êtes pragmatique, vous êtes cartésien, agence donc de l'ONU. Mais bon, est-ce que les pays africains… Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Pas de moyens, la recherche, les chercheurs ne sont pas financés, ou du moins, il n'y a pas, franchement, il n'y a pratiquement rien. On fait quoi? À l'horizon, dans 50 ans, est-ce que l'environnement ne va pas nous tomber là-dessus, façon de parler? Oui, effectivement, si rien n'est fait, l'environnement tombera dessus. On espère déjà que l'Afrique aura une position cohérente, qu'ils vont parler d'une seule voix, ils vont montrer aussi leur volonté, parce que l'Afrique est aussi en train de s'industrialiser, qu'elle va montrer aussi sa volonté de pouvoir réduire ses émissions de gaz et faire des efforts pour réduire les dégradations de ces forêts, parce que les forêts sont détruites en quantité importante. Il a été démontré tout à l'heure que lorsqu'on plante des arbres, on peut gagner de l'argent. Donc, il faut éviter de couper des forêts pour gagner de l'argent. Autant mieux planter pour gagner de l'argent. Et à ce moment-là, ça créera les conditions pour avoir des ressources pour financer les différentes adaptations. Le problème de la technologie a été soulevé, il est important. La recherche va aider, mais c'est des recherches qui peuvent prendre du temps. Et ce dont l'Afrique a besoin, c'est un transfert de technologies qui permettent de pouvoir gagner du temps, notamment dans les modes de production, production de l'électricité par exemple, les modes de transport, les modes d'industrialisation. Mais ce qu'on peut espérer sur le plan mondial, c'est que les différentes parties en présence, l'Afrique bien entendu, avec tous les pays émergents qui deviennent aussi grands émetteurs des gaz à effet de serre, et tous les pays industrialisés, que les uns les autres comprennent l'intérêt pour tous de trouver des accords qui obligent les parties en présence à respecter des quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
Okay. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Sassa. Alors, M. Lomardo, quelques questions. Hein. Quel est le pays africain le plus pollué ? En termes d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud, puisque la production d'énergie en Afrique du Sud se fait principalement à partir de charbon. Ils ont du nucléaire, mais ça n'est pas la principale de leur première source de production énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale a attribué, il y a de cela 2 semaines, un prêt de 250 millions de dollars à l'Afrique du Sud pour développer 100 mégawatts de puissance en éolien, donc l'énergie à partir de l'air, et 100 mégawatts de puissance à partir des panneaux solaires. Donc l'Afrique du Sud, grâce à ses problèmes de délestage électrique, en profite pour rendre plus propre son énergie. Merci beaucoup à vous, messieurs. J'étais très heureux de vous recevoir parce qu'on apprend beaucoup de choses chaque fois que vous êtes là. Et vous nous faites donc l'amitié de toujours nous envoyer une personne ressource qui nous permet de comprendre et d'avancer. La chose environnementale n'est pas trop bien cernée dans les pays en voie de développement. Grâce à vos interventions, on a quand même une idée de la chose. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sassa, d'avoir sacrifié votre jour si férié d'être ici. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe de production. Merci beaucoup, M. Lomardo. Et surtout, merci à la RTI, parce que c'est la première fois que nous avons une chaîne en Afrique de l'Ouest, et vraisemblablement sur le continent africain, qui accorde autant de temps et d'explications pour lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup. Et puis, je vous raccompagne justement, vous avez remercié la RTI. Voici le programme de la RTI tout au long de cette semaine.